bien, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour Charmir ta plein crusté. Et pour cette fois-ci, la première fois j'étais chez Geek Pro 14 sur son serveur Feed the Beast. Pour l'instant je crois qu'ils sont que deux sur le serveur, mais c'est quand même vraiment extrêmement avancé, vous allez voir ça moi. Alors quand je découvre Feed the Beast, c'est pour vous dire, je n'y ai vraiment jamais joué, je me suis jamais intéressé. Il avait une armure qui volait, enfin c'était complètement what the fuck, les ressources. Ça se comptait pas en pack de 64, mais en pack de 8000. C'était vraiment n'importe quoi, je comprends rien. Cette machine là, qu'est-ce qu'elle fait? Concrètement, ça sert à quoi? Elle aspire rien. Voilà, des trucs bizarres. Franchement, j'ai vraiment du mal là, il y a des arbres qui se cassent tout seul. J'ai dû vraiment saouler parce que je comprenais rien. J'essayais de comprendre les arbres qui poussent tout seul et ils se cassent comme ça. Pourquoi? Bon. En tout cas, c'était vraiment un bon moment et je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Je vais rester avec lui pour voir ce qu'il comptait faire aujourd'hui et vous allez voir, c'était assez constructif pour moi, j'ai vraiment profité du spectacle. Donc c'est parti, ça c'est le mur des ressources où tout se compte en nombre énorme. Je me suis crafté mon armure en fer d'homme préhistorique de Minecraft, c'était pour moi bien, moi j'aimais bien. Et j'ai ouvert ce coffre où tout était en milliers de ressources. Alors je sais pas combien de temps ils ont passé à miner tout ça, mais ça doit être assez énorme parce qu'il y en a vraiment. Regardez tout ce qu'il y a, n'importe quoi. Bon, en tout cas je me suis bien servi, merci. J'ai essayé de prendre du minerai à la main, voir si ça marchait. Je sais pas trop ce que c'était, je crois que c'est du zirconium, à vrai dire j'en sais rien. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire, vous pouvez le voir maintenant. Il voulait aller dans le Ender et faire une usine de l'Enderman. Alors comme je pouvais pas monter parce que j'avais pas d'armure qui volait et pas de bloc, ben je suis resté en tout. J'ai passé un agréable moment à rien faire. Bon allez, je vous coupe ce moment et à la place, on va regarder ça. Just you know why. باندا ما يتقلهاش لا. Bon, ensuite comme j'allais pas faire que ça, je me suis dit quand même je vais partir, je vais un peu vivre ma vie. Je suis allé me crafter du stuff, donc voilà, vous pouvez voir, j'ai une armure absolument ultra swag. C'est vraiment une armure genre top, on peut mettre des batteries tout dessus. Du coup ça remplace tout en fait, on a une arme qui remplace tout, vous allez voir, ça remplace la pioche. Là je me suis dit bon spawn, non allez, bah dites pas y aller, on y va. Et je vais voir ce que c'était que ce monde super dangereux qui s'appelle Quarry. Avec un super accent anglais et au final il n'y avait pas grand chose dans le monde. Je suis pas mort, il s'est rien passé. Je le trouvais même plutôt assez joli. Un peu étrange avec des arbres quand même en bedrock. Et donc voilà l'interface sur laquelle Gipro m'a expliqué comment ça fonctionnait les items. Et comment est-ce qu'on faisait justement. Voilà, donc j'ai passé plein de temps à crafter des trucs, des batteries, des machins. Tout ça pour au final ben voilà, remplacer mon épée et ma pioche par le même item. Et mon arc aussi. C'est quand même assez spectaculaire. Mais je trouve ça quand même ouais, vraiment useless. Après ça, c'est sûr que c'est fait pour automatiser, oui je m'en doute. Donc je vais vous montrer juste après tous ces magnifiques crafts. Voilà, ça c'est la grille donc, comme on peut le voir, j'étais hyper content, c'était super beau. Franchement quand on se met en F5 ça rend aussi super bien, merci de m'avoir montré ça. Je suis hyper content. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Avec ça donc, ensuite on pouvait la remplacer, on pouvait remplacer les items avec. C'était vraiment cool, vous allez voir. Voilà, normalement là c'est bon. Je m'éclatais bien, balader ou spawn. Et donc avec un peu de chance, demain, leur serveur ressemblera à ça. Enfin bon, on peut toujours rêver, hein. Avec les items qu'il faut. Je pouvais pas péter les arbres, j'ai pas mis le truc qui fait hache. En fait j'ai fait des allers-retours jusqu'à cette table pendant 20 minutes, ok c'est bon, j'assume.
Bon, une petite dernière chose, concrètement, si Minecraft était réaliste, leur serveur ressemblerait plutôt à ça parce qu'il pleut H24. Enfin bref, cette vidéo très spéciale est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, c'est très important car je compte en refaire d'autres. Si vous n'aimez pas, évidemment, je n'en ferai pas, mais il faut me le dire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et donnez votre avis surtout.